Wait, it's lit. Gave that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Et yo tout le monde, c'est Airfort, j'espère que vous allez bien, tout comme ça, nickel. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, les gens, aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce que c'est la partie 2 de la vidéo où je vous montrais mon casier actuel simplement sur Fortnite. Du coup, aujourd'hui les gens, je vais vous montrer du coup mon ancien casier avec du coup mes premiers skins de Fortnite et tout que j'ai. Et vous allez être étonnés les frérots. N'hésitez pas à commencer la vidéo, mettre le petit like, bien évidemment, mettre la petite cloche des notifications. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est important. Go rusher les 10 000 abonnés, ça fera en plaisir les frérots. Et n'oubliez pas aussi le petit co-créateur Air Force dans la boutique. Et du coup, c'est Air Force, voilà, n'hésitez pas à le mettre. Co-créateur Air Force dans la boutique, ça fait plaisir, voilà. Mais moi je l'avais pas mis. Du coup, n'hésitez pas à le mettre avant d'acheter des skins, voilà. Voilà, du coup, on va pas perdre plus de temps, les gens. On va direct vous montrer le casier. Du coup, c'est parti. Alors, on va commencer par du coup les musiques. Et là, vous entendez la petite musique là. Voilà, c'est la musique, tu connais la musique, tu vois, c'est une ancienne musique de Fortnite et ça rappelle de très très bons souvenirs, voilà, sur la map et tout, c'était vraiment un truc de ouf cette époque. Du coup, voici toutes mes musiques, voilà. J'ai quelques-unes, voilà. Ça n'aime pas un peu trop, mais c'est normal. Voilà, tac. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. Ça, c'est des anciennes, hein, vraiment. C'est dans toutes mes premières musiques et tout. Là, bon, on va un petit peu faire vite. Au niveau des revêtements, du coup, c'est parti. Alors, j'en ai beaucoup, hein. J'ai beaucoup de revêtements. Beaucoup plus que sur mon casier actuel, du coup, voilà. Ça, je crois que c'est mon revêtement le plus rare. Voilà, assez stylé, un petit revêtement un peu cube comme ça, c'est vraiment assez stylé. Après, revêtement tempête, magnifique aussi, voilà. Voilà, genre, que des revêtements. Voilà, le revêtement année 2020, qui était aussi très très beau. Voilà. Revêtement carbone, c'était vraiment assez stylé. Voilà, celui-là aussi était super beau aussi. J'ai plein de revêtements. Ça, voilà, tac. Je vous fais un peu passer vite. C'était vraiment les premiers revêtements qu'il y a eu, hein, je crois. Voilà, ça, il y a plein de revêtements que j'ai gagné aussi dans les défis. Et aussi dans Pass de combat aussi, du coup. Du coup, voilà. Et ça, c'était un revêtement spécial qu'on pouvait que gagner à la Saint-Valentin. Et du coup, j'ai réussi à l'avoir. Du coup, voilà. Revêtement quand même assez rare. Du coup, voilà pour les revêtements. Et du coup, c'est parti pour les danses. Attends, d'un coup, j'ai mis une danse. Ok, j'en ai plein. J'en ai plein. Tac. Bon, voilà, un peu tout en bas d'abord. Voilà, j'en ai beaucoup. Donc, du coup, des danses. Bien évidemment, la danse de Fortnite que vous connaissez tous. Voilà. Les petites danses comme ça. Voilà. Des danses vertes. D'esprit. J'ai plein de choses, plein de trucs. Ça, je me souviens ça. Il y a aussi des danses récentes en rien. Ça, c'est une danse de la saison 10. Elle est marrante celle-là. Voilà, voilà, on va un petit peu monter. Voilà. Tac. Dites-moi si j'ai un bon casier en vrai. Donnez une note sur le 10 sur le casier en commentaire, frérot. Ça ferait plaisir. Voilà. Bon, je vous t'en dis peu, on s'en fout. Là, on va passer sur les danses bleues du coup. Là, j'en ai beaucoup là. Voilà. Et je sais pas quelle est ma danse la plus vieille. Hein. Je sais vraiment pas du tout. Il y a plein de danses saison. Là on a vu une saison 7. Voilà. Quand c'était encore. Quand la map était totalement en glace. Je me souviens. J'ai pas trop de danse vraiment genre vieille, tu vois. Après, dans saison 7, ouais, c'est sûr que c'est mes danses presque les plus vieilles. Hein. Ah, une danse saison 6. Ouais, ça je sais, elle est salement rare. Elle est sortie qu'une fois cette danse. Ça je sais que cette danse elle est vraiment salement rare. Parce qu'elle est pas sortie encore. Elle était gratuite. Et franchement, je crois que c'est ma danse la plus rare ouais, de mon casier, du coup. Voilà. Danse saison 6, ça est déjà sortie du coup. Ah, le dab infini, putain. Ça, j'aimerais trop qu'il soit dans sur mon nouveau casier, tu vois. C'est trop stylé. C'est trop stylé, frère. C'est la meilleure danse, je crois. C'est vraiment la meilleure danse. Ok, là, on passe sur les danses, du coup, épiques. Bon, ça, elle est bien, celle-là. Avec le truc topin, là, putain, j'aime bien. Voilà, celle-là aussi. Ça, je crois que ça a été gratuit, tu vois. Ah, bah, elle veut pas se mettre. Ah, si, voilà. Voilà.
Ça, pour ceux qui savent, j'ai pris cette danse pour faire le court métrage qui est sur la chaîne. Là, vous pouvez voir la vidéo dans mes vidéos populaires. Voilà, pour les danses du coup. Et du coup, on va un peu monter de niveau. On va passer du coup au traîner les gens et après au planer les gens. Du coup, c'est parti. Ok, j'en ai quand même beaucoup. Voilà, du coup, traîner vos luttes. Voilà. Tube néon, sont assez stylés. Trèfle, spectre, rythmique, popcorn. J'en ai pas des préférences à tes têtes, celle-là elle est stylée vraiment. Après, en fait, dès que tu mets cette traînée là, tu vois rien en fait. Vraiment, tu vois vraiment rien. Ça aussi, les styles. Guitare électrique, voilà. On a plein. Ah, je crois que celle-là, c'était ma première traînée de tout Fortnite, hein, de tout mon casier. Hein. C'était en fait, je l'ai gagné dans un défi d'Halloween. Et c'était vraiment ma première traînée, je m'en souviens. Et c'était vraiment un truc de ouf. Hein. Et en plus, les styles en plus. Hein. La vie est stylée. Hein. Voilà, fibre, voilà. Faille fulgurante. Pour ça, je crois que c'est la pire. Hein. Je crois que c'est vraiment la pire traînée que tu peux avoir, celle-là. Vraiment. Ok, du coup, chromatique, voilà, céleste. Ah, ça, elle est bien, ouais. Ça, je la prendrais bien pour mon Sling Galaxy, ça, putain. Ah, j'en ai beaucoup, hein. Voilà, bon, on va voir un peu vite. Ah, ça, elle est bien aussi, là. Calculer votre chute, j'aime bien ça aussi. Ça, elle est vraiment cool. Et je pense ma traînée. Bah, ça, du coup, c'est une traînée hippique. Du coup, c'est une rare. C'est une rare, sa mère. Et voilà. Dernière traînée, du coup, la glyphe. Voilà, magnifique. Hein. Saison 7, elle est magnifique, hein, cette traînée. Du coup, nous allons commencer à regarder les 4 trucs les plus importants, tu vois, du casier, tu vois. Du coup, c'est parti pour les planeurs. Ok. Donc, les planeurs, j'ai du coup bah, tous les planeurs top 1, du coup, quand j'ai commencé, tu vois, tu connais. Du coup, voilà, le planeur saison 10, du coup. Top 1, voilà. Ça, c'est le planeur normal de base. Le planeur top 1, voilà. Planeur top 1 saison 8. Voilà. Ça, c'était, je crois, quand c'était avec le dieu de la tempête, voilà. Du coup, là, c'était pas compliqué d'avoir, tu vois. Donc, chapitre 2, saison 2, saison 1. Après, le planeur top 1 de saison 9. Oh, ça, c'est genre que c'est le plus beau. C'est vraiment le planeur le plus beau, je pense, de Fortnite presque. Il est trop stylé. Avec l'eau et tout, vraiment, c'est trop stylé. Chapitre 2, saison 1. Saison 9. Ça, je crois que c'est le pire. Hein. Il est juste noir et c'est du veau. Chapitre 2, saison 2. Magnifique. Et saison 6. Et puis voilà. Et je crois que ça, c'était mon premier top 1. C'était mon premier top 1. Voilà, avec mes potes et tout. Je crois que je faisais pas encore de vidéo. Je faisais pas encore de vidéo, non. C'était mon premier top 1. Et j'ai eu ce planeur. Il est en basique, tu vois. Il est beaucoup plus stylé que planeur John Wick. The Poop. Ok, du coup, après, les petits planeurs verts. Bon, là, rétrograde et tout. Je sais pas s'ils sont rares. Hein. Dites-moi, les gens, hein, dans le chat, hein, genre dans les commentaires, s'ils sont rares, ces planeurs. Je sais vraiment pas du tout. Voilà, flambeau. Il est stylé aussi, c'était vraiment du planeur basique, ça. Ah, dites-moi vraiment s'ils sont rares ou pas. Parce que je sais pas trop. Ils sont souvent planeurs saison. C'est souvent du pass, tu vois. Genre saison 5, saison 6, tu vois. Ouais, celui-là, il pue le vie. Je crois que c'était pas ça, c'est planeur Batman, du coup. Ah, je crois que c'est le meilleur. C'est le meilleur planeur, celui-là, presque. Voilà. Planeur de passe de combat. Voilà. Je vous fais un peu passer vite. Je sais aussi, normalement, il est rare. Voilà. Ça c'est les pires planeurs. Ça c'était un planeur assez original hein, je trouve. Hein. Saison 10, assez original je trouve. Ça c'est le pire planeur je pense que tu peux avoir. Ah, c'est le planeur, bah oui. Bah oui. Basique frère. Planeur burger et ça c'était mon planeur préféré les frérots. Ouais pourquoi? Parce que en fait dès que tu voles et que tu t'arrêtes, bah les boosts ils changent en fonction de la vitesse tu vois. C'est vraiment trop stylé parce que ça fait vraiment des boosts et tout. C'est vraiment trop stylé. C'est le meilleur planeur que j'ai, je pense. Ok, du coup, après, on a ça. Voilà, ça aussi fait de la musique. Et mon premier planeur, du coup. Et ouais. Et c'est le plus beau, presque, hein, ouais. C'est mon premier planeur de Fortnite, les gens. Mon premier planeur du casier. Ouais, j'ai gagné dans un défi encore d'Halloween. Et celui-là, il est rare. Hein. Ouais, celui-là, il a jamais été ressorti. Bah, du coup, Halloween, du coup. Et il est très, très stylé. Hein. Magnifique. Vraiment magnifique. Voilà, le planeur grand 8, bon, ça on s'en fout.
Ça, je crois que c'est Fortnite qui me l'ont donné. Ils m'ont donné, genre, parce que pourquoi fallait jouer, genre, un moment à un temps donné, tu vois, et te le passer. Ok, voilà. Planners, du coup, Star Wars. Oh, qu'est-ce que je rêverais que ce soit dans mon nouveau casier, punaise. Mais on peut pas, en fait, fusionner les casiers, en fait, c'est ça qui est chiant. Ils devraient faire ça, Fortnite, pour fusionner les casiers, tu vois. Il est très très stylé, quand même, punaise. Voilà, si je l'avais aussi acheté avec des Vabux, il est très stylé aussi. Ouais, magnifique. Le planeur Avenger, qui est invisible, ça c'est cool. Hein. Et le dernier planeur que j'ai acheté il y a pas longtemps, parce que du coup j'avais des V-Bucks, mais ce qui est chiant, c'est que je peux pas les investir dans mon nouveau casier, du coup, c'est ce petit planeur, voilà, il est magnifique, hein, franchement. Franchement, 10 sur 10 hein, pour le planeur, il est trop beau, il est trop beau. Ça, planeur Astro World, magnifique aussi. Et les deux planeurs dragons que je mettais H24, le Féro Dragon. Il est assez rare aussi, lui. Je crois que c'est dans un pack, ou je sais plus. Non, je crois que c'est dans un pass de combat, lui. C'est pass de combat saison 10, ouais. Il est assez stylé. Et le planeur, du coup, du pack, aussi très très beau, hein. Magnifique. Hein. Voilà. Voilà pour les planeurs, du coup, c'est parti pour les pioches. Donc, les pioches, j'en ai beaucoup aussi, hein. Du coup, pioche basique. La pioche du souvenir, voilà. Pioche gâteau d'anniversaire, elle est assez rare, ouais. Parce que du coup c'était que l'anniversaire de Fortnite, du coup. Trancheuse d'épices, ça va avec le signe ruine, ouais. Il y en a quelques-unes qui sont assez rares quand même, ça va quoi, ça passe. Ouais, le pied de biche, il est rare le pied de biche. Et ça c'était assez compliqué de l'avoir, hein. Je crois qu'il fallait faire les défis dans un mode de jeu. Voilà, morsure, voilà, pour ça c'est un peu des skins basiques. Et là, c'est ma première pioche. Bah ouais, à chaque fois je vous dis le premier truc de mon casier, ça c'est ma première pioche du coup que j'ai eu. Encore dans un défi, parce que j'étais pas encore les passes de combat à l'ancienne, je crois que c'était saison 5, celui-là c'était quelle saison? Non, saison 6. Ouais, et du coup, le pass de combat saison 6, je l'ai pas acheté, mais je faisais des défis en fait, et j'ai réussi à avoir cette pioche gratuitement en très ratant tous mes morts, du coup voilà. Et elle est vraiment très stylée et ça me rappelle tellement de souvenirs, les gens, c'est abusé. Du coup, voilà. Après la pioche hache de soin, voilà. Voici les autres pioches. Bon, ça sont un peu nuls à chier. Là, la pioche marteau Elo, ouais. Ça, tu pouvais que l'avoir au concert, quoi. Voilà, pioche classée, nickel. Ah, celle aussi, elle est stylée, ouais. Ça, tu peux l'avoir dans différentes couleurs, donc ça, c'est cool. Voilà, Wally. Ah, ça c'est ma pioche préférée. C'était ma pioche préférée parce que pourquoi? Parce qu'elle est vraiment stylée, elle est vraiment originale quoi, en fait. Hein. Elle est simple, basique et elle peut changer de couleur. Le coup en vrai, je trouve que c'est une des plus stylées quoi. Je crois que c'est une des pioches que j'ai le plus préférées. Voilà, la pioche griffe de dragon, voilà, magnifique. Puis voilà. Et puis voilà, tout simplement pour les pioches. Et on va passer du coup au sac à dos et bientôt les skins le plus important du coup. C'est parti. J'ai beaucoup de sacs à dos hein, quand même. Ok, du coup j'ai des sacs à dos du coup vert, voilà. Ça c'est pas des sacs à dos non plus rares. À part un, c'est le plus rare je pense de mon casier. Bah c'est juste lui en fait simplement. C'est l'un des plus rares. Peut-être pas, et je crois que c'est le rouge le plus rare parce qu'il y a différentes. Attendez, je vais vous montrer. Il y a différents styles, tu vois, tu parles le rouge et lui il est vraiment rare. Et alors le diamant mon pote, enfin le cristal je pense. Hein. Mais en tout cas, je pense que de mon casier, c'est le plus rare, en tout cas. C'est sûr. Parce que c'était vraiment chou à l'avoir, il est pas ressorti depuis. Ok, du coup, voilà. Du coup, on a les sacs à dos Batman, voilà, avec les capes, elles sont assez stylées aussi. Heureusement que je les ai achetées, hein, elles sont vraiment belles. Ouais, puis sacs à dos animaux, du coup. Ouais, c'était vraiment trop beau, hein, ces sacs à dos. Hein. C'était vraiment une révolution de saison 8. C'était vraiment trop stylé, voilà. Waouh! Ah ouais, c'est il est trop stylé, putain, celui-là. Avec le chien et tout, il est trop beau, punaise. Ça, je crois que c'est les meilleurs sacs à dos animaux. Voilà, le sac à dos X, le sac à dos saison 10, voilà, trop beau, hein. Trop beau, franchement, j'adore. C'est comme ça avec les animaux, là, c'est trop, trop beau. Voilà. Ça, c'était mon premier skin que, enfin, le sac à dos de mon premier skin que j'ai acheté, du coup. Vous allez voir, il est pas beau, mais c'est mon premier skin, du coup, que j'ai acheté. En plus, c'est assez cher, en plus. Ça, du coup, c'est mon premier sac à dos, ouais, saison 6, du coup, c'est que saison 6, en fait, que j'ai vraiment commencé à avoir des skins et des pioches et tout. Du coup là c'est mon premier sac à dos, encore en défi. Voilà, c'était pas des trucs en plus super stylé hein, mais quand même ça va. Voilà, du coup voici le sac à dos, encore Batman. Voilà, ça aussi c'est un défi. Hein. Ça aussi, hein. Par contre il a changé de couleur. Hein. Avant il était bleu, hein. Il était juste genre c'était un sac à dos bleu et maintenant ils l'ont mis en cube donc je comprends pas.
comprends pas. Du coup, ça, du coup, c'est mon premier sac à dos que j'ai acheté. Du coup, voilà, 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 voilà. Voilà. Ah, la pièce John Wick, je la connais, celle-là. Beaucoup de souvenirs, beaucoup trop de souvenirs, punaise. Voilà, ça c'était un gros défi. Hein. Ça c'est trop bien. Putain, les quêtes là avec le skin, tout c'était vraiment trop bien. Fallait aller dans le château et tout, c'était vraiment trop bien. Et voilà pour du coup les derniers sacs à dos. Du coup, c'était un pack du coup avec ces magnifiques ailes, punaise. Je les reveux sur mon nouveau casier, punaise. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles, ces ailes. Même si elles sont grosses, elles sont trop belles, punaise. Et ce petit sac à dos, voilà. Donc du coup, voici pour les petits sacs à dos. Du coup, on va commencer direct pour la fin de cette vidéo. Du coup, pour les skins, les gens que vous attendez tous depuis le début de la vidéo. Du coup, c'est parti. Ok, du coup, les petits skins. Du coup, c'est parti. Alors, j'ai pas beaucoup de skins verts. Du coup, mon seul skin vert, c'est lui. C'est le skin plastique. C'est l'un de mes derniers skins que j'ai acheté, je pense, sur ce compte. Je pense, oui. Après, le petit skin, du coup, mammouth, voilà, je crois que c'est un skin gratuit, mais en vrai, de vrai, il est quand même rare, tu vois. Parce que du coup, il est jamais ressorti, du coup. Voilà pour les skins. Il y a aussi des skins, du coup, chapitre 2, saison 1, du coup. Voilà, après, on va commencer plus à aller dans saison 10, voilà. Du coup, voici skin saison 10. Voilà, saison 8. Ah, celui-là, il est beau, hein. Ça, j'aime bien. Quand, si vous faites un joueur des films mode, mettez ce skin bleu, il est très très stylé quand même. Voilà, petit skin saison 9, voilà, saison 7. Je vais vous dire encore une fois mes skins les plus rares et mes skins que j'ai acheté en premier. Du coup, voilà. Le skin Père Noël, punaise, il était trop bien celui-là. Il était vraiment trop bien, saison 7 et tout, punaise, c'était vraiment trop bien. Voilà le skin, du coup, DJ Lama. Voilà, DJ Lama. Assez stylé. Mais c'est en plus des skins super beaux. Ah, celui-là il est rare, je pense. Enfin, non, il est pas rare, tu vois, mais il est beau, tu vois. Ça, c'est skin sapin. Voilà. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. Ah, ça, c'est un skin saison 5. Et c'était mon skin que je mettais tout le temps, presque. Hein. À un moment, je sais pas pourquoi, je le mettais à H24. Je mettais vraiment H24. C'était vraiment l'un de mes skins les plus beaux de mon casier. Ok, là, du coup, je vais vous montrer, du coup, mon skin, je pense, hein, le plus rare, en tout cas en pack. Du coup, c'est le pack Assaillant Alpin. Je crois que c'est l'un des seuls packs qui est épique et qui a coûté, genre, vraiment que dalle. Je crois que 1000 VB, je sais plus combien il a coûté en tout cas. 5 euros, il s'est coûté 5 euros. Et c'était l'un des seuls packs qui était épique alors que c'était 5 euros, tu vois. C'était vraiment que dalle. Et du coup, je pense que c'est mon skin, l'un des plus rares en tout cas de mon casier. Parce que du coup, saison 6, il est jamais ressorti, hein, ce pack. Hein. Le skin, du coup, Kylo Ren, ah, il est magnifique, hein, putain, il est tellement imposant. Ouais, il est trop beau. Les skins, du coup, Batman, voilà, Zenith et tout, vous connaissez. Ça, c'est le pire skin sentinelle. Le skin ruine. Et pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, ce skin, je le mettais à chaque live. Dès que je liveais, je le mettais tout le temps. Parce que pourquoi? Parce qu'il est trop silent. Ouais. Il est trop silent. Il a un de ses flots, tu vois. Il a trop un de ses flots. Et vraiment, je le mettais H24 dans mes lives et tout. Et vraiment, c'était ça. Quoi. Voilà. Ok, du coup, voilà le skin, du coup, Rox, Roi des Glaces, voilà, on connaît. Le skin Lynx, du coup, que j'ai sur ce compte. Le prisonnier, voilà. Et le premier skin, du coup, que j'ai acheté dans mon casier, ouais. Saison 7, c'est le premier skin que j'ai acheté. Bon, c'est le pire skin, hein. Mais je sais pas, je le trouvais qui était vraiment très, très stylé. Avec ses yeux et tout, on dirait vraiment un petit diable. Et vraiment, je trouvais qu'il était trop beau. Il était vraiment trop beau. Du coup, là, je l'ai acheté et tout. Pour le troll, en fait, pour troll. Mais rangs était trop stylé. J'adorais ce skin. Du coup, voilà, hybride et tout, le skin fusion. Skin chevalier ultime. Et du coup, les packs. Les skins des packs, du coup, ardentes. Voilà. Ces deux skins qui sont quand même assez rares. Ils sont à chaque fois en premier dans mon casier, du coup. Du coup, voilà pour ce petit casier. On a quand même des skins assez rares. Quand même, ça va, tu vois, 2 ou 3. Du coup, voilà, j'espère que ce petit casier, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit like, mettre la petite cloche, des notifications, ça fait vraiment extrêmement plaisir, les gens. Et merci de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, ça fait plaisir. Et du coup, on se retrouve pour un prochain live ou une prochaine vidéo, les gens. C'était Air Force. Portez-vous bien, les féros. Ciao tout le monde.